Hello Eti, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de ma cure de jus de bouleau de la marque Velleda. Alors c'est un produit qui est censé aider le corps à éliminer, ça favorise le mécanisme d'élimination. Et aussi Velleda dit que ça pourrait aider à purifier la peau en fait. Donc en fait la composition c'est 94% extrait à queue de jeunes feuilles de bouleau biologique et 6% de jus de citron biologique. Donc c'est un 200 ml, ça coûte à peu près 9,95€. Alors en fait moi j'ai fait une cure de 13 jours puisque j'ai utilisé 1, 2, voire 3 bouchons, j'irai à peu près la plupart du temps 2 à 3 bouchons dans une bouteille d'un litre 5, donc diluée dans de l'eau en fait. Et je buvais ce mélange tout au long de la journée. Alors en fait la couleur du produit c'est quelque chose d'assez marronné. Une fois mélangé à de l'eau, ça donne une couleur un peu jaune pipi. Effectivement, c'est le cas de le dire. Donc en fait ce que ça a fait sur moi, c'est que ça m'a fait aller aux toilettes. Mais vraiment alors j'ai pissé comme jamais quoi. Désolée mais vraiment... Ça m'a un peu perturbée pendant ces 13 jours puisque en fait toute la journée j'avais envie d'aller aux toilettes et surtout le soir et la nuit. Pourtant en fait la bouteille d'un litre 5, même des fois je mettais un litre, j'arrivais à la terminer assez tôt dans la journée, vers 17-18h par exemple. Et en fait on aurait dit que l'action du jus de bouleau était démultipliée à partir de 22-23h. Minuit, donc ce qui fait que des fois, même avant de pouvoir m'endormir, donc j'étais allongée, couchée, fallait que j'aille aux toilettes. Je me rallongeais, je commençais à m'endormir, fallait que j'aille aux toilettes, etc. Même des fois jusqu'à 4 fois. Donc ce qui fait que je m'endormais tard dans la nuit. La nuit encore, des fois je me réveillais, donc c'était vraiment très très perturbant. J'étais très très fatiguée. En fait, j'ai terminé il y a 2 jours, donc là je suis encore très fatiguée, même si mon corps élimine un peu moins. Et franchement, j'ai trouvé que c'était hyper efficace sur moi. Faut dire que j'ai beaucoup d'eau, j'ai beaucoup d'œdème, j'ai toujours fait la rétention d'eau. Et en fait, c'était vraiment mais révolutionnaire quoi. Dès le premier jour, j'en pouvais plus, surtout les premiers jours en fait. Les 4-5 premiers jours, je passais mon temps à aller aux toilettes, c'était vraiment. Alors, ce que j'ai bien aimé entre guillemets, c'est que les urines elles brûlaient pas, parce que moi ça m'est déjà arrivé en fait dans le passé. Surtout depuis mon changement d'alimentation, d'avoir des urines un peu acides, vu que j'ai beaucoup de toxines apparemment. Et là en fait j'ai trouvé que les urines elles étaient super agréables et tout, enfin voilà, il n'y avait rien de spécial. La couleur c'était un petit peu... j'aime bien les détails. C'était un petit peu trouble, donc je pense que c'est bon signe. Je trouve qu'elles étaient vraiment chargées mes urines en fait. Pas trop foncées, pas trop claires. Voilà, j'ai vraiment trouvé que... Enfin je voyais en fait que j'ai mis de façon normale, que c'était pas bizarre. Enfin j'ai pas du tout eu peur, c'est juste que c'était très très contraignant. Alors les effets que ça a eu sur moi, ben... par la fatigue, c'est que j'ai trouvé que vraiment les endroits où j'ai le plus souvent des œdèmes, ces endroits-là ont vraiment diminué en volume en fait. Donc tout ce qui est bas du ventre, hanches, les chevilles, c'est mitigé. Parce que les chevilles d'habitude, elles sont quand même relativement moyennement gonflées on va dire la plupart du temps. Parfois non, mais là pendant toute la cure j'ai trouvé que mes chevilles n'étaient pas hyper dégonflées. Donc soit mon corps n'arrivait pas à éliminer assez rapidement, je sais pas, mais j'ai pas trouvé que mes chevilles étaient super, vous voyez, super dégonflées comme je l'aurais pensé. Donc là en fait aujourd'hui après 2 jours je trouve qu'elles sont tout à fait normales. Donc peut-être que ça continue d'agir, ou peut-être que c'était sur le coup mon corps qui n'arrivait pas à gérer, je ne sais pas. Sinon bah j'ai pas eu d'œdème ici au visage comme j'en ai régulièrement. Donc effectivement je pense que en moyenne ça m'a fait faire, enfin ça m'a fait faire, ça m'a diminué les œdèmes que je peux avoir habituellement un jour sur 3 par exemple. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ben je me suis sentie quand même un petit peu mieux. J'ai l'impression, j'ai pas eu plus de dynamisme parce que j'étais très fatiguée, mais je me suis sentie un peu plus, je sais pas comment vous expliquer, un peu plus légère, un peu plus dynamique. J'avais vraiment l'impression de me délester de choses mauvaises pour moi. Enfin, je ressentais vraiment que je me détoxifiais. Par contre, j'ai trouvé que c'était éprouvant pour mon corps dans le sens où je sentais vraiment que c'est comme si on pressait une éponge pleine d'eau, qu'on la pressait continuellement, et c'était vraiment waouh quoi. Très 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 éprouvant, je me sentais, enfin j'avais vraiment l'impression que mon corps était en train de travailler, était vraiment en travaux, enfin c'était assez spécial. J'ai pensé à arrêter plusieurs fois, puis je me suis dit, de toute façon le jus de bouleau il peut se conserver que jusqu'à 4 semaines dans le frigo. Donc je me suis dit quelle est la différence entre faire voilà, la cure, donc tous les jours pendant à peu près 15 jours, ou bien arrêter, reprendre, dans tous les cas il aurait fallu que je le termine avant 4 semaines. Donc je me suis dit je préfère faire les 15 jours, parce que je pensais que ça allait faire 15 jours. Bon, ça a fait 13, enfin, c'est pas grave. Voilà, je me suis dit je préfère faire tout d'un coup, avoir le maximum d'effet tout de suite, et voilà. Donc si j'ai fait cette cure,
Parce qu'en fait, j'ai eu ce produit dans une box, en fait. Donc, c'est un truc que je voulais tester depuis longtemps, mais je me suis dit, je le ferai plus tard. Enfin, c'était pas une priorité. Et là, je me suis dit, je l'ai eu dans la box, donc je vais tester tout de suite. Et en fait, c'est pas que j'ai plus d'œdème qu'avant, c'est pas que je me sentais gonflée, pas du tout. Mais je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à retenir l'eau, beaucoup moins depuis le début de mon changement alimentaire, mais quand même de temps en temps. Donc, même si ça reste très léger, moi, je le vois quand même à l'œil nu que tous les 3, 4 jours par exemple, je vais avoir un mini œdème qui a du mal à s'évacuer, il va rester pendant 2-3 jours, après il va s'évacuer, donc voilà. Donc je fais un maximum, de toute façon je mange sans sel, je fais un maximum pour éliminer avec bon, voilà, les fruits et légumes que je mange, etc. Mais c'est vrai que je me suis dit ça peut faire un petit coup de pouce en plus, donc voilà pourquoi j'ai testé ce produit. Donc je suis contente de l'avoir fait, voilà, maintenant je vais essayer de dormir, faire mes nuits maintenant, parce que là, voilà, c'est vraiment des fois c'était une ou deux fois dans la nuit que je me réveillais, mais des fois c'était 5-6 fois. Et moi je suis quelqu'un qui a besoin de dormir en fait sur le, comment dire, pas sur le long terme, mais d'un seul coup en fait, j'ai du mal à me réveiller pour aller aux toilettes, me recoucher, mais surtout qu'en plus quand je me recouchais, bah, des fois j'avais du mal à me rendormir, enfin bref, j'ai jamais été habituée à me réveiller souvent la nuit, donc du coup pour moi c'était vraiment bref, donc voilà, en fait ça dépend des gens. Je pense que tout le monde n'aura pas forcément autant d'eau à éliminer, tout le monde n'aura pas forcément autant de difficultés à se rendormir après être allé aux toilettes. Voilà, peut-être qu'il y en a qui urinent que la journée et pas la nuit. En tout cas moi c'était surtout la nuit que mon corps voulait éliminer, pourtant je m'arrangeais pour commencer tôt le matin et finir assez tôt dans la journée, donc avant 19h, et franchement voilà, c'est ce que ça a fait sur moi. Donc voilà, moi je vous conseille rien, je suis pas en train de vous dire de le faire ou de pas le faire, je vous donne juste mon avis, et bon, je suis quand même contente globalement, j'ai quand même un bon retour sur ce produit. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, bye bye.